On est au sujet du Kaddish. Alors, il faut savoir que le Kaddish en lui-même, c'est énorme. La Gemara, elle raconte. D'où on apprend cela que c'est énorme. Il y avait une fois une discussion. Rabbi Akiva, il étudiait la Torah, il parlait, des fois, il partait aussi dans le désert pour étudier, pour avoir un Yeshuva Da'at. Pour bien penser, pour bien réfléchir dans la Torah. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme que deux cours derrière lui, il le tape. Ken? Tout d'un coup, il le voit, il lui dit: arrête! Alors lui, il continuait. Il a dit: si tu arrêtes pas, je te fais jurer que tu arrêtes. Il s'est arrêté parce que les deux qui couraient derrière lui, qui le tapaient, le caveau de Rabbi Akiva, ils se sont arrêtés. Alors il a demandé, il a dit, t'es parmi les vivants ou parmi les morts? Il a dit qu'il est parmi les morts. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, ces deux-là, ils courent derrière lui, il lui donne des coups. Et lui, il ramasse des brindilles. Et il fait du feu. Il fait un feu. Il se jette dedans. Ils prennent la poussière qui reste. Il les jette dans la mer. Et après, rebelote. Il sort de la mer, il court derrière lui, on le tape, et après, tout ça pendant un moment, des années, des années, des années, il dit pourquoi? Il a dit parce qu'il a fait des avérotes. Il a dit, est-ce que tu as entendu que tu as une takana? Ça veut dire que takana, ça veut dire que on peut réparer quelque chose. Alors il a dit, oui, sa femme, elle était enceinte. Si c'est un garçon, il dit le Kaddish. Et c'est bon. Voici qu'il a demandé son adresse. Et voilà, Rabbi Akiva, il est parti. Il a vu maintenant cette femme-là. Il a dit, voilà, j'ai entendu comme ça, c'est ton mari. Il a dit, oui. Et il lui a raconté. Il a dit, tiens, un garçon. Il a dit, oui, c'était un garçon. Il a dit, donne-moi-le, je vais étudier avec lui. Je vais lui enseigner le Kaddish. L'enfant, rien du tout. Il comprenait rien. Il était comme Kita Aleph. Il avait 5 ans. Il a commencé à l'enseigner Aleph, Bet, Guimel. L'enfant, il oubliait. Rabbi Akiva, il a jeûné 40 jours. Après qu'il a jeûné 40 jours, il a commencé à se rappeler l'enfant Aleph, Bet, Guimel, doucement, 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 doucement. Jusqu'après, il a commencé à enseigner encore une autre fois. Il a jeûné encore 40 jours pour lui. Jusqu'après, l'enfant, il a commencé à dire le Kaddish. J'abrège. Et puisqu'il a commencé la première fois, il a dit le Kaddish. Même un enfant, le bonhomme est venu dans le rêve de Rabbi Akiva. Il dit, Ashrecha Rabbi Akiva, heureux toi Rabbi Akiva que tu m'as fait gagner, rentrer au Gan Eden. C'est-à-dire le Kaddish, tellement c'est élevé, comment faire attention quand on étudie, on répond Amen Yehé chez Merabba. Il faut savoir au niveau du Kaddish, En Makom Latir Lomar Kaddish, Shamur le Batek Nevarot, si maintenant ils font le Kaddish devant le Betekness, devant le Betekvarot, où il y a le cimetière, qu'il y a des tzadikim, et en fin de compte, il n'y a pas 10. Il dit, c'est bon, à côté des tzadikim, il y a des tzadikim ici, eux, ils complètent le minyan. Et celui-là qui fait ainsi, il faut les gronder, il faut leur dire, ça ne marche pas, il faut 10 vivants. Que ça, celui-là qui répond Amen à cela, c'est Amen et Thomas. C'est pour cela, Amen et Thomas, c'est grave. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire très attention à cela quand quelqu'un va pèleriner. Il y en a des gens ils inventent des halakhot. Quand je dis inventer, ils inventent. Okay? C'est pour cela qu'il faut faire attention à cela. Hazakobaour.